I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Voilà, maintenant que nous avons terminé la mise à jour du Crossfire, on va voir dans la radio ce qu'il faut faire. Donc, il faut que j'aille dans le modèle pour lequel je veux utiliser le Crossfire. Là, actuellement, on va faire le test sur le Reverb. Et dans ce modèle, donc sur la page 1, là où jusqu'à maintenant j'avais un RXSR, donc en mode D16, à la place de D16, ici, sur le module interne FR Sky, je vais le mettre en OFF. Et sur le module externe, ici, on va sélectionner CRSF, CH1 à 16, et voilà, c'est terminé. Donc juste Crossfire, CRSF et CH1 à 16. Une fois que ça c'est fait, on vérifie à l'arrière que le Crossfire est bien alimenté. Et donc, un appui long sur menu pour entrer dans le menu de la radio. Je vais aller sur page, et normalement, si vous avez fait la dernière carte SD pour la version de votre radio, c'est-à-dire la 2.2.2, actuellement, je rentre dans Crossfire, et là j'ai un Crossfire LUA que je vais démarrer. Donc appuyons, exécuter. Là il a démarré donc le Crossfire Setup, et il a trouvé que j'avais deux connectés, un XF Micro TX. Je démarre, et là je retrouve tous les réglages. Donc actuellement, réglage de bind, et en général, région open, la région ne la changez pas, ça risque de vous limiter tous les autres paramètres. Ensuite, max power. Alors, avec la dernière mise à jour, en théorie, voilà, on est censé pouvoir basculer en 250 milliwatts. Donc ça, c'est plutôt bien. Tous les autres paramètres, pour l'instant, je ne les connais pas. Je sais juste qu'en France, donc en frequency, on a le choix entre deux fréquences, 915 ou 868. Et en France, le seul autorisé, c'est le 868. Operating mode normal, factory reset, firmware 240, hardware 1.2, bootloader, ça je ne touche pas. Donc tout le reste, ça a l'air d'être bon. Voilà, nous avons terminé. J'ai juste basculé du coup en 250 milliwatts pour avoir le maximum de puissance pour aller sur la plus longue distance possible. Maintenant, nous allons tout simplement prendre le Reverb et brancher tout ce qu'il y a à brancher dedans pour que ça fonctionne, c'est-à-dire notamment, il va falloir qu'on s'occupe de préparer le petit récepteur nano avec une antenne, les câbles et brancher tout ça. C'est parti ! I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper.